Salut tout le monde, c'est Barnac qui est en tweet et... Buster. Et nous voici pour un tout nouvel épisode de Ghost Hunter, oui vous l'attendiez. Et avant, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Si vous ne pouvez pas le voir, mais je n'ai actuellement pas mon skin de Atlas parce que... Il est décédé, il a été supprimé du workshop pour des raisons qui me sont inconnues. Ils nous sont inconnus. Mais je sais pas pourquoi, donc... À partir de maintenant, j'aurai un nouveau skin et à moins qu'il soit remis sur le workshop, je ne jouerai plus en Atlas. Bref, passons maintenant à la présentation du épouvantail. Oui, il sera l'épouvantail. Vous pouvez pas le voir, mais quand il y aura les caméras, vous pourrez voir mon nouveau skin. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'hôpital Belmont, un hôpital psychiatrique, abandonné depuis 10 ans, comme vous pouvez voir ces magnifiques décorations. Un petit peu amoché. Donc, il a été abandonné. À cause de deux crimes qui ont été qui ont succédé en 3 mois, c'est ça? Oui, 3 mois. Quelques mois, je crois que c'est 3 mois, mais je ne suis pas sûr, en quelques mois, qui a donc résulté à la fermeture du bâtiment. Oui. Je t'en prie. Donc le premier cas, c'est une patiente qui a été qui était enfermée dans une salle capitonnée, donc c'était une des plus atteintes, non, on va dire ça comme ça, qui s'est fait violer par deux gardiens. Donc on n'a jamais retrouvé le corps, mais les deux gardiens se sont dénoncés et il y a encore des traces de sang, des taches de sang dans la chambre capitonnée. Voilà. Ils n'ont pas eu le temps de nettoyer parce que comme on l'a dit, il y a eu quelques mois d'intervalle entre les deux. Ils n'ont pas eu le temps de nettoyer, ils ont dû fermer. Donc ils ont juste condamné la pièce. C'est gêné à nettoyer tout ça parce que tout le monde s'en fout de toute façon. Voilà. C'est ça en fait. Ouais. C'est ça un peu. Et le deuxième donc? Le deuxième cas, c'est un patient qui a eu une crise durant une auscultation par les médecins. Les médecins l'ont laissé 2 minutes, puis ils sont revenus avec un gardien pour s'en occuper. Sauf qu'il a pris le magnum du gardien et les a liquidés. Et on n'a jamais non plus retrouvé le patient. Donc voici pour ce petit historique de ce bâtiment. Donc on va tout de suite passer à la visite de jour. Ouais. Puis comme d'habitude, on placera les caméras en off. On va pas replacer les caméras en tournant parce que ça va être un peu chiant. Puis on fera une deuxième visite, mais de nuit. Voilà. On verra sur place si on y va chacun notre tour ou... Oula. Eh ben punaise. Il y a un coup de vent ici ou quoi? C'est trop... tranquille. Il va y avoir des gens qui ont dû soit saccager, dû s'amuser, genre des jeunes. Même si je ne vois pas ça très amusant de ruiner devenir un tel endroit. Même de venir ici, quoi. Ou alors c'est peut-être des SDF qui sont venus squatter, mais je vois pas de carton, tout ça. Ouais, t'as vu l'ascenseur, là? C'est un ascenseur, ça? Bah, apparemment. Ah ouais? Il marche? Il marche non. Pas, non. Non, non. Y'a rien en dessous, je m'attendais à voir un corps en dessous, tu vois? Je viens pas rano au fur et à mesure. Eh ben non, apparemment, non. Attends. Voilà. Oh. Il y a des trucs dedans? Ben, il y a une échelle, mais elle a l'air pétée. Et il n'y a rien, non? Attends. Ah, non, il n'y a rien. Et il y a les autres étages, bon. Il y a aussi un trou. Je pense qu'il s'est passé. On dirait que ça a été bombardé, c'est impressionnant. Ouais. Peut-être qu'ils ont commencé les. Je sais pas, peut-être qu'ils ont commencé les travaux, mais peut-être qu'ils ont vite abandonné. Ouais. Probablement. Alors là, on va aller. Juste un truc pour montrer comme c'est comme il fait sombre dans ce bâtiment, hein, tellement. Voilà. Hein. Ah oui. Ah oui, comme vous voulez, on voit rien. Vraiment rien, on est obligé de prendre les lampes torches parce que sinon on voit rien. C'est pour changer, hein, évidemment. Ah oui, bah sinon c'est pas drôle. Hein. Sinon c'est pas vraiment très amusant. Là il y a des lavabos. Je sais même pas s'il y a encore l'électricité qui marche ici, mais je doute. Hein. 10 ans, ça a dû tout ruiner. Donc ouais, je pense. Oui, voilà, c'est ça. C'est cet endroit où il y a les. Ah voilà. Tout le monde qui a été tué. Excédérage. C'est ici que le patient a eu un excédérage et qui a tué les trois employés. Donc je crois que c'était un garde et deux docteurs. Donc il était censé l'ausculter et ça s'est très mal passé. Ouais. Le viol, je crois qu'il s'est déroulé au deuxième étage, donc on va le voir après. Ah, jolie horloge. Ouais. Sans aiguille, c'est bizarre. Ouais, c'est ça le truc. C'est assez bizarre. C'est... Comment dire? Voilà. Ah, ouais, il y a bien eu des SDF qui sont venus squatter ici, des squatteurs. Ouais. Donc là, on a des lits. Beaucoup de lits. Tiens, il y a deux lits. Je sais pas. Je pensais qu'ils étaient tous. Ou alors peut-être que c'est pour les employés, ça, peut-être. Ah, peut-être, ouais, le coin administratif. Ouais. Bon, là, on peut voir que c'est quand même bien tombé. Hein. Encore des trucs je sais vraiment pas ce qui s'est passé. On dirait vraiment que ça a été bombardé.
Ouais. Ou alors vraiment il y a eu des travaux. Peut-être qu'ils étaient censés raser l'asile. Attends, attends, écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? T'as J'entends pas que les entendu? oiseaux. Non, j'entends que les oiseaux crier. Il y avait une musique. Où ça? Déjà? Attends. Oh là, déjà, non, 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 non. Où tu l'as entendu? En haut? Bah Ou ici, là, dans cet étage? dans ce coin-là. C'est bizarre. Y a quelqu'un? Eh oh! Il y a une poupée ici. Comment? Bah, t'as vu? Y a quelqu'un qui est venu ou quoi? Bon, on mettra une caméra ici, je pense, non? Ouais, peut-être dans le couloir ici, je pense ici, ouais, c'est bien. Ouais, ce sera bon, là. Peut-être dans l'ascenseur aussi. Non, pas dans l'ascenseur, non, ça a l'air un peu nul, ça va être compliqué en plus. Au pire, en bas, on mettra une caméera qui prendra tout le Ouais, tout couloir, le hall. tout Tout le le hall hall, et et. y aura elle sera au fond. T'as vu que Alors. là, y a un truc pour les animaux avec du sang dedans? Où es-tu? Je Ici. t'ai perdu. Ah, tu es là. Je suis là, je suis là. Ah, c'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Les squatteurs ont laissé ça. Soit c'est des squatteurs, c'est très bizarre parce que je les vois mal dormir dedans, parce que c'est très très petit, en plus il y a du sang à l'intérieur. C'est dégueulasse, je sais pas ce qui se passe, c'est très très creepy. Quoi 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 quoi. Non, j'ai un problème avec le matelas. Ah ça va. Me suis dit, oh, T'as ça. failli y tomber. Genre, ça tremble et tout, et il me fait. Non, en fait. C'est juste le matelas, c'est juste le matelas, tout va bien. Par contre, les salles capitonnées, les chambres capitonnées, elles ont l'air très propres. Hein. Je sais pas toi, mais. Tu vois, rien. Ah ouais. Intéressant. Ça doit pas être celle-là, la Non, non, elle est au chambre. deuxième étage, elle est au deuxième étage. Oula. Attention. Un peu de Te parcours. casse pas la gueule. Non, t'inquiète, Te c'est bon. casse surtout pas la gueule. Ah ouais. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des jeunes qui sont venus ici. Ouais. Ils ont dû caillasser le bâtiment. Je sais pas. Depuis qu'il a abandonné. Voilà. En plus, comme on a vu, la porte est grande ouverte, donc. En plus. Voilà quoi. Bâtiment, en tout façon, je doute. Que quelqu'un a encore les droits de propriété, donc je pense qu'il est vraiment à l'abandon pour le coup. D'ailleurs, il y a un tableau. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Le bateau, le tableau, on dirait qu'il est tout neuf. C'est bizarre. Vraiment très étrange. Je crois qu'il y a des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui avaient de la famille ici et qui ont peut-être voulu leur rendre hommage Ouais. dans un sens ou un autre, en leur donnant des objets, je sais pas, pour Regarde la respecter leur plante là. mémoire. La plante elle a l'air fraîche, n'empêche. Aussi très fraîche, donc c'est pour ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il doit y avoir des personnes qui sont venues. Oula. Bon, là c'est bloqué. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont venus ici. Hein. Ah, ils ont défoncé les portes et tout. Burn. Quoi? T'as vu la paire de chaussures? Oh non, c'est triste. C'est ce que Pourquoi? je pense. Je pense. Oh, c'est triste. Si c'est ce que je pense. Bon, J'ai pas lu de cas de suicide. Hein. J'ai pas lu de cas non. de suicide, donc je sais pas. Mais ce genre de cas, je pense pas qu'il soit révélé au grand jour, quoi. Ouais, c'est. Les suicides sont pas révélés, par contre les meurtres, oui. Regarde, il y en a encore une là aussi. Oh putain. C'est vraiment triste. Je pense que c'est la même personne. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont venus rendre hommage à leurs proches. C'est la Ouais, seule c'est bon. hypothèse que je peux imaginer parce que sinon c'est Là, la plutôt porte, elle est. inquiétant déjà. Ouais, là la porte elle a été défoncée. Par contre, on a des mises sur le côté, hein. Ils sont plutôt polis, hein. Ouais, ça c'est gentil, c'est bon, Ouais, on a c'est cassé la plutôt porte, mais gentil. on veut bien que vous la Mais on la répariez, met sur donc un voilà. côté, hein, encore où si vous voulez réparer, hein, on sait Au jamais. cas où, hein. Là c'est bloqué. Hein? C'est bizarre. Il y a une fermeture automatique ou c'est quoi ça? Les portes se ferment automatiquement, c'est chiant ça. Oh. Je crois que c'est celle-là Je crois que c'est vrai. Ouais. Ils avaient Ouais, dit que c'était au deuxième étage, hein, oui, donc. c'est celle-là, je pense, en plus le sang a séché. Merci pour le bloc. Oula. Et au bloc là. Moi, je bloque. Le sang a séché, donc je pense que c'est celle-là. Ouais. Puis le matelas, on dirait qu'il a été retourné. Mais. Ah. Ah, ça pue en plus. Bon, allez, on sort Ouais, d'ici, merde. sort de là, j'aime pas ça. Ah, oh, j'aime pas ça. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a eu des travaux. Je pense qu'il y avait Une commode comme ça des qui se. débuts de travaux Ouais, pour parce que les regarde, commodes. il y a les parpaings là. Il y a des parpaings qui.
Ah ouais, je pense clairement qu'il y a eu des travaux. Soit ils ont voulu raser, c'est bizarre parce que là il y a vraiment tout qui est cassé. Soit ils ont voulu raser, soit ils ont voulu reconstruire. Oula, fais attention! C'est ça. Alors, est-ce qu'on essaie de monter ou pas? Ben, il y a des trucs là-bas quand même. Bon, on va essayer. Attention, attention, vas-y, je te. Oh, il est ce qu'il est, il est ce qu'il est. Allez, vas-y. Tombe Attention! pas. Je fais très attention. Je veux pas tomber et me casser les rotules Ah. encore. Ça fait Là, très mal. c'est le côté, le coin administratif. Ah ouais. Avec les C'est beaucoup de ordinateurs, PC les quand même, bureaux. hein, c'est bizarre. Ouais. Peut-être que vous voulez faire du bureau aussi, je sais pas. Je joue mal ça dans un asile en fait. Ouais. Peut-être que je sais pas, je suis jamais allé dans un asile. Mais je pense pas qu'il y ait autant d'ordres qui C'est auraient ça. qu'il y ait des Peut-être pièces qu'ils ont comme ça. voulu faire. Ouais, je pense. Moi, petite hypothèse, c'est qu'ils ont voulu faire des bureaux, ils ont mis ces PC, je sais pas. Alors là. Temporaire, mais c'est très bizarre. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. L'activité est terminée, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc on Et va. On ah applique non, la on main. n'a pas, pas bien visité le haut. Il me semble qu'on n'a pas allé vers la droite. On n'est pas allé vers la droite. Ah toi tu sautes comme ça là. Bah écoute, c'est pas très haut, hein. Fais attention à toi. Ouais. Encore tomber deux étages, ça va, mais tomber un étage, c'est bon, c'est pas très haut. Oh, il y a une salle. Oh, bah, ah bah c'est la réserve, ça va, on n'a rien raté. Oh bah c'est bien. Oh, c'est bizarre. Décrocher. T'entends, c'est les canalisations ou quoi? C'est bizarre. Ouais. Ça fait très peur. Il y a des bruits très bizarres. Peut-être qu'il y a une canalisation qui s'est bouchée, je sais pas. Même si je doute qu'il y a encore des canalisations là-dedans qui marchent. Bon. On vous retrouve la prochaine fois. Dans quelques Non. instants, Voilà. on va juste remettre, enfin remettre. Ouais, remettre encore une fois les caméras dans cet endroit. On va aussi garer la voiture parce que la laisser en plein milieu, c'est pas cool. Ouais, je vais y aller. Oui, ok. Vas-y, on va mettre les caméras et on vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, nous revoilà, nous avons placé toutes les caméras, donc je t'en prie, vas-y, Buster. Ok, alors. Je te suis. Tu me suis. Donc, allez, bon, parce qu'il fait nuit et on voit rien, mais encore moins. C'est impressionnant, ça fait très peur. Et oui. Donc là, on a déjà une caméra qui montre Waouh. tout le hall ainsi que l'ascenseur qui fait des bruits un peu étranges qu'on avait entendus. Il grince, c'est normal, c'est vieux. Oui, bon, Tu devrais d'accord. avoir l'habitude que ça grince quand même au fur et à mesure du temps. Je suis Quand même. désolé. C'est quand même notre Donc sixième enquête. J'ai eu un bug. après on le montre de là la caméra ou pas? Oh oui. Oui, donc vous voyez là la lampe, ça correspond à une caméra qui montre bah, tout le hall, enfin toute la grande le grand Attends, je espace vais qu'on essayer est. d'y aller sans casser la gueule. Ok, attends, Bien. comme oui. Ouf. Voilà. Voilà, nickel. Ok. Donc ça, Et voilà. c'est à peu près ce qu'on voit là. Ça montre tout avec les deux balcons et tout et tout. Magnifique. Voilà, On magnifique. essaie de bien l'encadrer pour voir un peu tout. J'espère que ça va bien rendre. Normalement, Oui. oui, parce qu'on a regardé. On a fait des tests et tout. Voilà, on a Après, fait le nous test. avons. Donc, on reste au premier étage. Ouais, on reste au premier étage. Après, on va aller au deuxième étage. On a ici. C'est Cette où jolie j'ai caméra. entendu la musique. Ouais, que je n'ai pas entendu. Voilà. Avec tout ça. Ça monte tout le couloir. Ainsi que la cage d'ascenseur. Ouais, très joli. Très joli, bah oui, c'est scandale. Hein. Excellent, oui, évidemment. Franchement, très très beau, très beau Très 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 beau. style. Non, en fait, ça Et m'inquiète, enfin. cette cage là, ça sert quand même. J'aimerais vraiment pas y tomber. Où es-tu? Là, moi je suis monté au deuxième étage. D'accord, ça va, j'ai eu peur. Et J'ai eu donc. très peur, je me suis retourné, je t'ai plus vu, tu m'as fait peur. Et encore une caméra, parce qu'on a oublié une caméra au rez-de-chaussée, mais on vous montre ça là quand même. Donc voilà, la caméra qui montre les deux Ah oui, c'est pièces. vrai, me disait en fait, il y a 4 caméras, il y en a 5. Ah Et non, oui. 6, je suis bête. On a manqué 2. Et oui. Donc il y a Bref. celle-là, et Ouais. donc il y a cette caméra qui montre la pièce avec la bicyclette et avec ce qui s'est passé avec la jeune patiente. La jeune patiente, évidemment. La Et, pauvre. suis-moi, et nous terminons Non, en fait, je t'ai plus là par suivi. là. Je t'ai perdu. Ah, t'es là. Je suis là. Attends, on descend par là-bas. Ah, bah, faut savoir. Moi, j'étais parti par là pour Oui, descendre, je et suis en fait. désolé.
Je me perds. On se perd, c'est pas professionnel tout ça. Bon allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis bloqué, de toute façon. Tu as pissé la gueule. Allez, suis-moi. Ah, moi aussi, je vais faire. Ah, tu vois, tu vois, t'es bloqué. Alors d'abord dehors. Non, en dehors, on s'en fout un peu parce qu'en fait, oui, on a mis une oui, caméra. Oui, il y a juste dehors. Une caméra ici. Mais voilà, c'est pour montrer. On sait jamais. Hein. On sait jamais par les fenêtres, là, par on exemple. On a déjà fait ça dans le manoir hanté. Et oui, on a eu dans des le poupées. Manoir des perruques. Ouais. Des perruques plutôt, pas des poupées. Et donc pas la dernière. En fait, à chaque fois, tu dis poupée, et du coup, je suis ouais, bloqué. Ouais, à chaque fois, on se bloque. Et voilà, la dernière caméra qui donne sur la pièce où il y a eu le massacre du patient. Le massacre des employés par le patient plutôt. Voilà, l'excès de rage. Rage. En même temps, c'était magnifique. Donc après ça, enfin après cette petite visite, on va faire une vraie visite de nuit. Ça, donc on va aller éteindre toutes les lumières. Donc on va juste régler 2-3 trucs et on vous retrouve juste après. Alors voilà, nous avons corrigé tous les petits détails. Oui. Et maintenant Buster va éteindre sous vos yeux ébahis les lampes. Donc 5 caméras. C'est pour faire la visite nocturne de manière la plus sophistiquée possible et optimisée. Si événement il y a, on mettra les Ghost Box. Sinon, ben, on essaiera encore, mais je pense y avoir les trucs parce que. Cet endroit semble être propice à des événements paranormaux. Allons-y. Oui. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Donc allez. On va faire le tour de chaque étage pour voir s'il y a des trucs qui se passent. Alors, on va éteindre nos lampes torches hein, pour montrer à quel point c'est sombre. Voilà. Vous voyez, je ne vois rien. Moi non plus. Vraiment rien. Ça fait presque peur. Mais d'ailleurs, j'avais la tête dans le mur. Ok. Pour moi, tout va bien. Tout merci. Va bien. J'espère vraiment qu'il ne va pas y avoir de trucs trop dangereux. Même si l'ascenseur m'inquiète un peu. Il était pas là, ce crochet. Non, il était pas là, en effet. Enfin, je suis presque sûr qu'il était pas là, parce que j'ai pas vraiment fait attention à cet endroit. Il tu l'as déplacé pas là, ce truc. Tu l'as fait tu l'as déplacé, je sais pas. Non. Ah, mais non, j'ai pas touché. Je sais pas toi, mais j'ai pas touché, en tout cas. Non, moi non plus. Bon, j'espère vraiment qu'il y a personne qui est rentré. J'ai encore eu... J'ai peur de ces caméras, elles me font peur. C'est blanc et avec ma torche, ça. T'inquiète pas, nos caméras vont bien, elles sont pas censées faire peur et tu me peur. Et tu es pâle, tu es très pâle. Mais ça fait peur. Ça fait très peur. Alors. Bon. Toujours cette poupée creepy là-bas. Tout va bien. Hein. La petite pièce. Qu'est-ce qui est de ça? Genre rien qu'elle parte, ça nous ferait du bien. Tout va bien dans cet étage, il me semble. C'est vrai que c'est plutôt calme ici. C'est plutôt très très, très calme. Plutôt très, on a, très on a calme. Eu l'événement tout à l'heure, mais là. Rien. Ça va quoi. Les caméras sont toujours à leur place. Tout va bien. Bon. Peut-être que c'était quelqu'un qui est passé par là. Je sais pas, parce que j'ai entendu des bruits. Donc. Peut-être que c'est quelqu'un qui est passé par là. Ouais. Je sais pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui venaient ici. Que peut-être, je sais pas. Des petits amusants. Oui. Bon. On va au deuxième étage? Ouais, allez. Même si je vois pas ce qui est d'amusant dans cet endroit. Hein. Pourquoi tu passes par là? C'est sûr que ça fait peur quand même, le truc, mais... J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il y avait des parpaings, là. Oui, il y avait un gros bloc de parpaings. T'es d'accord avec moi? C'était avant. Ok, deuxième événement paranormal. Je pense qu'on va essayer les Ghost Box. Mais j'aimerais ouais. bien un troisième événement plus concret. Oui, je demande des événements flippants, je sais. C'est vrai que là... Je suis plutôt... demandatif. Un peu plus creepy, quoi. Hein? Il y a un squelette. Il y a un squelette, attends. Là. Attends, il y a un squelette. Il y a plus de squelette. Il y avait un squelette. Mais il y a une poupée. Attends. Il y avait un squelette. Je suis pas fou. J'ai tu l'as vu, toi aussi? J'ai vu le squelette, oui. Attends. J'ai vu le squelette. Y'a rien, y'a pas de trace. Ben non. Y'a juste, y a juste cette poupée, poupée là. Bizarre, pas creepy. Sinon, y'a rien. Oh non. Oh. Bon. D'accord avec moi, on fait les Ghost Box. Ah, on va les faire. Ok.
Bon. C'est parti. Qu'est-ce que c'était ? De quoi ? T'as entendu ? Ben non. T'as entendu un bruit, toi ? J'ai entendu comme une branche qui se craquait ou quelque chose comme ça. Attends, je vais regarder par les fenêtres. Je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Je suis sûr. Sûr d'avoir entendu quelque chose ? Oui, oui, oui. Un crack ou... quelque chose du genre. Oh. Ok. Je crois savoir ce que c'était, ce crack. Ok, il y a vraiment quelque chose ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a vraiment quelque chose ici. Vite, on y retourne. Oh. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. J'ai vu tomber du coin. Oh non, ils sont agressifs. C'est des esprits agressifs. Ça m'étonne vraiment pas. Mais ils sont toujours agressifs avec nous, putain de merde. Pas dans les manoirs de perruque, je te rappelle. Il y avait un esprit qui était plutôt... Bon, il y en avait un qui était maléfique, mais l'autre était plutôt... Le maléfique nous a quand même suivi, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, bon. On va placer les Ghostbox. On va aller faire les... Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Faire des interventions, là. On va faire des interventions. Donc on va prendre les Ghostbox et on vous retrouve juste après. Voilà. Donc, désactive ta lance-torche, merci. Arrête de m'éblouir. Donc, nous voilà à cette première séance de Ghostbox. Vous pouvez voir mon nouveau skin, hein, voilà. Magnifique. Toi. Professionnalisme. Donc vas-y, je t'en prie. Alors. Première question. Je pose la première question, d'accord. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici ? Y avoir de réponse. Non. Je vais poser la deuxième question. Alors, êtes-vous un employé ou alors un patient de cet asile ? Si esprit il y a. Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain. Quelqu'un. Désolé. T'as entendu ? Oui. Elle dit quelque chose, mais j'ai pas très bien compris. Oh, punaise, super. Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas. La lampe, je crois que... Attends, j'allume ma flashlight. Ouais, je crois que la lampe s'est cassée. La lampe s'est cassée, je crois. Oh. Bon. On va retourner au QG. On va retourner au QG pour essayer de voir. Je vais réécouter... Aïe ! J'ai réécouté l'enregistrement pour voir un petit peu ce qu'il disait parce que j'ai pas bien compris. J'ai entendu quelque chose, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose, c'était pas... Moi aussi, j'ai entendu des parasites. Mais je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Allez, on y va. Vas-y, je t'en prie. Thank you.
nous voilà devant la chambre de la patiente qui a été violée. Et nous allons faire la deuxième séance de Ghostbox, parce que bien, j'ai réécouté l'enregistrement qu'on vient de faire, la Ghostbox, et le son que j'ai pas bien entendu, qu'on n'a pas bien entendu, disait « Je suis désolé ». Oui. Je suppose, enfin, Buster me soutient, mais je suppose que c'est l'esprit du patient qui a, dans un accès de rage, tué les trois employés qui venaient nous parler pour s'excuser. Ça se pourrait. Ça se pourrait, donc... j'espère pouvoir rentrer, qu'on va rentrer en contact avec la deuxième patiente. Je vais le poser sur notre lit. Attention à la porte. Voilà. Mets-toi sur le lit au pire, hein, c'est pas très grave. Voilà, mets-toi là. Parfait. Donc. Attention. Tant pis, on va c'est faire. C'est pas grave. Ça capte quand même donc ça. Alors. J'en prie, pose la question. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? C'est cassé? Ça s'est arrêté? Je ne veux pas de vous ici. T'as entendu? T'as entendu comme moi? C'était le plus clair de tous les messages qu'on a eu depuis le début. Qu'on a eu depuis le début de cette émission. Les parasites se sont arrêtés clairement. J'ai cru qu'elle s'était cassée parce que tu l'avais mise à l'envers. Ouais, ben en fait non. Ah oui. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part ou... Parce qu'elle a dit très clairement qu'elle veut pas de nous ici, donc est-ce qu'on part? Bah, y a encore des choses à voir. Et je avec sais, tout ce qu'on, mais... Avec tous les événements qu'on a eu. Franchement, j'ai pas encore regardé les enregistrements vidéo, j'aurais dû le faire, tiens, je suis bête avant. J'ai donné un coup d'œil, il y a des... Moi je suis pour partir parce que elle semble assez puissante, parce qu'elle a quand même arrêté des parasites pour nous parler avec la voix la plus claire possible. Oui. Donc moi je suis vraiment pour partir, mais on va se concerter et on va voir après, d'accord? On va aller au QG. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, hein, tant d'émotions. On va aller au QG, on va en parler parce qu'elle va vraiment pas nous ici. Donc on va en discuter. On vous retrouve après notre petite discussion pour voir si on part ou pas. Voilà. Ok, bon, on a discuté avec Buster. Et on a décidé de partir d'ici parce qu'elle veut vraiment qu'on parte. Donc on va partir. Je vais juste aller monter en haut, puis le nonasme. Pour désactiver les caméras, j'arrive plus à parler. Et...